Tu vois, au centre, là, il y a une bague, je pense, ça, c'est une vis qui est perforée elle-même, mais il faudrait dévisser ça, je pense, pour pouvoir enlever le reste. En fait, il faudrait ça, mais avec une gorge encore plus profonde, pour aller choper les deux ergots, là. Bonjour à tous. Alors, je me suis arrêté là dans le processus de démontage parce que je ne voulais pas investir dans un outil pour juste pouvoir démonter ces jumelles parce que ces jumelles m'étaient inutiles. Je les ai revendues d'ailleurs. Elles m'étaient inutiles. Je les avais achetées pour un travail d'ornithologie dans le delta de l'Èbre pendant mes études. Et bon, je travaillais en fragmité. Donc, en fragmité, de toute façon, les distances sont extrêmement réduites entre l'humain et ce qu'il observe. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir des jumelles qui font mal au cou, qui pèsent énormément et qui sont pas justifiées. Je comprends l'intérêt des jumelles quand tu es au fond d'une vallée et que tu cherches à voir un isard ou un rapace, un gypaète barbu sur une crête ou très en hauteur, mais dans les écosystèmes que je fréquente, plutôt littoraux, plutôt des zones humides, j'ai quand même décidé de faire cette vidéo parce que je pense que c'est très très important de pouvoir démonter intégralement des jumelles pour pouvoir les nettoyer à fond, pour pouvoir comprendre aussi, parce que finalement, tant qu'on n'a pas démonté complètement un appareil, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne, donc on n'a pas un vrai total contrôle sur sa manière de fonctionner. Alors je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu aller plus en avant, mais je me suis dit, fais quand même l'effort de montrer les premières étapes, parce que ça pourra peut-être servir à bien d'autres gens, au moins pour le début. Et s'il y a des gens qui passent par là, qui s'y connaissent beaucoup plus en jumelles, je les invite à faire leurs remarques et à indiquer quelle a été la suite, quelle aurait été la suite, comment éventuellement se fabriquer un outil pour pouvoir continuer. Si vous comprenez ma démarche et que vous voulez la soutenir, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même pour résoudre les mille et un problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est l'épisode précédent dans lequel je montre comment nettoyer les verres, comment nettoyer les optiques de cette paire de jumelles correctement.